On était... Depuis la dernière réaction de One Benchman, là, waouh, il y a des paparazzis devant chez moi, je comprends pas. Ça fait autant de bruit, 12 000 vues ? Ah, si mes lunettes sont tordues, c'est que, ouais, c'est quelque chose, vous pouvez pas comprendre, vous êtes pas des nouvelles stars. Salut à vous les otaku, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la réaction à l'épisode 4 de la saison 2 de One Punch Man. Alors déjà, il y a eu pas mal de retours concernant comment j'affichais l'épisode. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une vidéo réaction, vous êtes pas là pour voir tout l'épisode sur ma vidéo. Qu'on soit clair déjà là-dessus. Et de deux, si je fais ça, c'est pour éviter les copyrights et le robot YouTube. Vous avez été beaucoup à me dire, mais pourquoi tu mets cette image en cette qualité, c'est dégueulasse et tout. J'ai déjà tenté de pas mettre l'image en une qualité médiocre. Je vais retenter aujourd'hui si vous voulez. Mais la vidéo s'est déjà fait bloquer juste pour ça. Donc, si elle se fait encore bloquer cette fois, eh ben nique sa mère. Ça m'énerve. La dernière fois, on s'était laissé avec Saitama qui avait mais calmé Garo. C'est incroyable. Oh, ça finit sur ça en plus. Visiblement, dans cet épisode, on va faire la connaissance de Batman. Oui, le super-héros, je sais pas. Non, mais il me semble qu'on l'avait déjà vu dans la saison 1, j'en suis plus sûr. Enfin bref, on se lance dans l'épisode, c'est y part. Ah, c'est Garo petit, ça. Ah... Ok, c'est cool de voir cette perspective, je kiffe, c'est sympa. Oh non, c'est trop bien de voir cette perspective-là comme ça. Je soutiendrai jamais les méchants, parce que les méchants, voilà, ils ont toujours des idées de merde. Mais c'est trop bien d'avoir une perspective de même à son âge. Il était en mode à fond sur les héros, les méchants, pardon, il voulait tout le temps que les méchants gagnent. Ah ouais, il s'est réveillé dans les poubelles. C'est Saitama qui lui a mis dedans. Toujours cet opening hein, que vraiment, voilà, je le dirai à chaque fois. Je kiffe. Pour moi, Orelsan, il a rien dénaturé là. Moi, je kiffe encore. Hein. Je vais faire une petite pause là. Vous, vous dites quoi? Est-ce que vous dites Garo, Garouf ou Garou? Parce que j'ai vu des Anglais dire Garou. Sur la traduction française, c'est marqué Garo. Et je crois que la première fois que je l'ai vu marqué en sous-titre français, il y avait marqué Garo avec TH à la fin. Donc, comment vous dites-vous dans les commentaires? Dites-moi. Batman, le 15 de la classe S, ok. Visiblement, dans cet épisode, on va un peu plus suivre Batman. Ah oui, c'est vrai que Saitama, il doit faire... il voulait faire le genre de tournoi d'art martial, là. Avec sa perruque, putain, le pire. Personne se rend compte qu'il y a un truc qui cloche. Oh là là, je kiffe cette ambiance. Mais what? J'ai dit, il est bienveillant, en vrai. Mais visiblement, il se rappelle pas que Saitama lui a mis une branlée. Ouais, mais tu vas perdre face à quelqu'un d'autre, gros. Désolé, mais là. Ok. Dans cet épisode, je sais pas, hein, moyen niveau action. Puis en tort, mais what? Est-ce qu'on va encore voir Garo se battre? Moi, je pense à un moment donné, il va y avoir un truc où le petit il va être dans la merde avec un monstre. Et Garo, il va faire preuve un peu d'héroïsme, tu vois. Putain, il est en train de galérer, hein. What? Après, je veux bien que ce soit un niveau démon, mais le classe S, il se fait niquer facile, hein. Ah. J'ai peut-être parlé trop vite. Et j'ai peut-être sous-estimé un classe S. Ok, j'ai rien dit. Ok, je l'ai un peu sous-estimé. Ah ouais. Bon, Saitama ou Garo, là, ou je sais pas, ou un truc, venez. Donc il est arrivé à toi. Ouais. On va voir la scène de fin. Pour le moment, je pense que ça va être l'épisode le moins rythmé qu'on a pu avoir. On a eu un assez gros focus sur le héros Batman, là. Putain, j'arrive pas à m'enlever de la tête que c'est ça ressemble à vraiment Batman. Enfin bref, mais ouais, l'épisode n'était pas rythmé de ouf. Les trois premiers épisodes nous avaient quand même un petit peu fait arriver dans quelque chose d'assez crescendo. Et là, on est redescendu un peu. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté. À part ça, ouais, il y a eu quelques combats et j'ai pas franchement remarqué quelque chose au niveau de l'animation. Alors, je sais pas si je commence à m'y habituer ou si réellement il s'améliore de plus en plus, honnêtement là je pourrais pas vraiment vous dire, mais ouais, on a eu un épisode ouais un peu temporisation quoi, ça temporise l'histoire, c'est je sais pas, il était pas hyper intéressant celui-ci. On aura certainement un épisode prochain un peu plus intéressant avec Batman contre Garo et surtout le tournoi d'art martial qui va commencer avec Saitama qui va on ne sait pas quoi faire hein. Mais en tout cas ouais les amis, je sais pas ce que vous en avez pensé, faites vos retours dans les commentaires par rapport à cet épisode 4 qui pour moi était un petit peu faible. N'hésitez pas à regarder des pubs sur YouTube pour un petit
petit peu me financer, ça fait toujours plaisir. Me suivre sur les réseaux sociaux, ça mange pas de pain et ça coûte rien. C'était Mino, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Je vous dis normalement à samedi pour une vidéo autre que réaction review, et dimanche vidéo review sur l'épisode 14 de l'attaque des titans. Ok, on fait ça. Bonne journée, bonne soirée, c'était Mino. Jana.